Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo avis dans laquelle je vais vous partager un petit peu mon expérience de ces quasiment 2 semaines sur ce nouveau serveur qui est Classic Plus. Ah et pendant que j'ai votre attention, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle classe vous me verrez bien jouer. Là je joue actuellement un démoniste, mais j'ai bien envie bientôt de me refaire un nouveau personnage, donc bah n'hésitez pas, influencez-moi. Et bien sûr, si vous êtes fan de World of Warcraft, n'hésitez pas du coup à vous abonner, c'est le plus grand des soutiens, donc merci beaucoup pour ça. Et c'est parti pour la vidéo. Bien, permettez-moi de vous faire une petite introduction du serveur pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi. Car oui, pour la plupart d'entre nous, ça fait 2 semaines qu'on farme des runes comme Jaja, mais peut-être que tout le monde n'est pas à la page. Je le rappelle, WoW Classic Plus ou bien Season of Discovery, ça désigne la même chose et ça représente les serveurs saisonniers qui sont sortis le 30 novembre. Les particularités principales sont que le niveau se débloque en fonction des phases. Là, actuellement, tout le monde est au niveau 25 maximum et il y a donc des runes à découvrir pour débloquer de nouveaux sorts. On se retrouve désormais avec des dingueries comme le chaman, le voleur et le démoniste qui peuvent officiellement endosser le rôle de tank et des trucs sympas comme le mage qui a du self-heal, mais qui peut aussi heal légèrement le groupe en fonction des dégâts d'arcane qu'il fait. Bref, sans trop rentrer dans les détails, on est sur un serveur fun, et j'insiste bien là-dessus. Loin de là, l'idée de Blizzard de créer un XM serveur pour Tryhard, il est possible de faire tout le contenu de ce serveur tout en prenant des douches quotidiennes. Et alors le contenu, quel est-il? On va en parler tout de suite, et juste après, je vous donnerai mon avis sur tout ça. Bon déjà, commençons par le commencement, l'ouverture des serveurs. Ça a été une expérience agréable et pas agréable non plus. La première demi-heure a été affreuse, car énormément de monde ont pris d'assaut des serveurs. En moins de 2-3 minutes, avait déjà tous les serveurs qui étaient en statut complet, dont le PVP principal qui était carrément verrouillé. Tellement qu'il y avait de monde. Et même sur mon serveur qui est Crusader Strike, qui est beaucoup moins peuplé que Living Flame, et bah c'était un joli zoo. Il y avait des lags horribles, un nombre de joueurs beaucoup trop nombreux, mais bordel, qu'est-ce que c'était kiffant de voir autant de monde. Et c'est je pense ce que je préfère dans World of Warcraft, c'est un petit peu l'effet de masse, voir une horde complètement désorganisée de joueurs, c'est vraiment trop kiffant. Ça a été quand même fixe assez rapidement, donc c'était juste pour la petite anecdote du lancement de serveur, car c'est toujours une expérience qui marque. Et celle-là, je ne voulais vraiment pas la manquer. Alors le gameplay concernant le leveling et le niveau max, qu'est-ce que ça donne? Alors je dirais que le leveling est forcément plus agréable avec toutes les runes qu'il donne facilement dès le début, et en même temps, heureusement, ça permet de redécouvrir un petit peu World of Warcraft classique d'une façon beaucoup plus sympa. Et concernant les runes et surtout leur mode d'obtention, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis vraiment agréablement surpris, car je pensais qu'ils allaient juste nous donner une quête de temps en temps, qui nous envoie dans une grotte, ouvrir un coffre, et puis basta. Ça, ce que je viens de citer, c'est une mécanique que j'ai vue une seule fois pour la première ou la deuxième rune, hein, je ne sais plus, mais pour tout le reste, ça a été complètement des trucs mais différents et qui sont vraiment sympas pour le coup. Par exemple, pour le démoniste, j'ai eu une rune en canalisant mes derniers points de vie à mon démon en me mettant sur une statue précise. Un truc que peut-être tu peux trouver par hasard, mais comment ils ont fait les premiers qui ont fait ça, je sais pas. Ou même comme exemple, regardez ma vidéo sur la forme de tank. Incroyable, j'ai kiffé. Elles sont vraiment bien cachées et c'est assez marrant de voir comment certaines se débloquent. Et j'ai surtout vraiment hâte de voir comment Blizzard va nous cuisiner les prochaines phases pour débloquer encore d'autres effets what the fuck. Au niveau de ce qui est possible de faire une fois que vous êtes level max, c'est assez simple. Vous allez tout d'abord farmer 2-3 donjons pour choper vos premiers objets rares pour ensuite avoir la chance de participer au raid 10 joueurs qui est actuellement BFD, c'est-à-dire les profondeurs de Brasse Noire. De mon côté, les donjons, c'est fait. Le raid, c'est la seule chose que je n'ai pas fait sur le serveur. J'ai regardé des vidéos histoire de connaître globalement les mécaniques et surtout découvrir à quoi ça ressemble vraiment. Pour la partie joueur contre joueur, j'ai beaucoup aimé le PVP sauvage dans Ashenval. Sur mon serveur RP-PVP, voir un raid de 40 joueurs se joindre au nôtre pour donner des infos et les directives avant d'engager le combat, c'était vraiment une bonne expérience. Et de mon côté, il faut que je continue de farmer cette zone pour avoir du coup la monture, ça va être trop stylé. Je n'ai pas cité le farming de gold car oui, il y a plein de façons de le faire, par exemple les mages avec leurs sorts qui soignent maintenant, et bah ils peuvent faire rage-feu dès le niveau 25, c'est une vraie dinguerie. Mais bon, je m'éloigne du sujet principal, c'était vraiment pour vous résumer que SOD est une bonne expérience. Et je peux vous confirmer aujourd'hui qu'on peut faire l'essentiel assez rapidement, ce qui est assez bien, et peut-être aussi pas bien pour d'autres personnes. En fait, ça dépend de comment vous jouez au jeu. Si vous êtes du genre à poncer 10 heures par jour le game dès que ça sort, effectivement, vous allez atteindre vos limites très rapidement sur le serveur. Après, je comprends de ouf, être au-dessus au niveau stuff par rapport aux autres et ensuite aller dans des champs de bataille ou en PVP sauvage, c'est la meilleure des sensations. Et aussi, vu que le contenu se fait assez vite, on peut être tenté de faire des rerolls. Et j'avoue que, pareil, j'ai envie d'en faire.
Mais ce qui est bien ou pas bien, je ne sais pas encore, c'est que forcément sur les nouveaux personnages, il y aura beaucoup d'autres choses à faire. Il faut refaire les runes, il faut refaire le niveau, il faut refaire le stuff. Donc en gros, pour résumer, SOD est vraiment OK plus pour moi. Je pense que de mon côté, j'ai envie d'avoir un ou deux personnages max en plus de mon démoniste avant de m'arrêter là. Parce que peut-être, pourquoi pas reprendre un petit peu retail vers janvier-février, bah peut-être que ça m'intéresserait, je sais pas, faire un petit peu de PVP vraiment là. Après, on n'est pas à l'abri que les phases se déroulent plus rapidement que je ne le pense et que dans genre 6 semaines, c'est-à-dire janvier et février, il y ait la phase 2 qui se débloque et là, c'est encore une montagne de nouveaux secrets à découvrir avec des raids inédits et ça va être une vraie dinguerie. Pour résumer SOD, c'est une belle réussite. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et me laisser guider pour certains secrets qui débloquent des runes. J'ai aimé redécouvrir des PNJ ou des zones que je skip à chaque fois. Donc je pense que c'est une réussite, bravo Blizzard, mais aussi qu'il ne faudra pas trop se reposer sur ses lauriers et qu'il faudra avoir des mises à jour assez constante, assez fréquente, sinon les joueurs risquent de stagner et donc de se barrer. Mais en restant plus optimiste, je reste persuadé que Classic Plus est la meilleure chose que Blizzard ait faite. Même si pour l'instant, on a vu que un quart du potentiel du serveur, c'est trop bien de redécouvrir World of Warcraft comme ça. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous êtes toujours hype et actif sur ce serveur. Dites-moi ce que vous voulez que je joue prochainement comme nouvelle classe, et si vous avez quelque chose en particulier à me conseiller. J'espère de tout cœur que la série sur SOD vous plaît sur YouTube. En tout cas, j'y mets vraiment de tout mon petit cœur, j'y mets trop d'amour dedans. C'est un vrai plaisir de vous faire les épisodes, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Là, il y en a un par jour, donc c'est trop cool. Donc j'attends vos commentaires, merci beaucoup, merci pour tout, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, salut.